les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire des ladeux. Pour faire cela, on a pris du farine de pois chiche. D'abord, on va verser ça dans un bol. Et on va rajouter du sel. Puis, on y rajoute du colorant alimentaire. Et on verse de l'eau de petit à petit et on mélange. On mélange bien. On rajoute encore de l'eau et on mélange. On mélange jusqu'à obtenir une pâte bien liquide. Voilà, la pâte est bien prête. On va mettre ça de côté et on va préparer le sirop. On va prendre le sucre dans le même bol qu'on a pris la farine de pois chiche. On prend la même quantité. On va verser le sucre. Maintenant, on rajoute de l'eau. On mélange bien. Pendant le temps que le sirop se prépare, on va faire cuire le bundi. Le bundi, c'est la pâte qu'on va faire cuire pour préparer les ladeux. D'abord, on va verser de l'huile. Maintenant, on rajoute du sel dans le sirop de sucre. Et on mélange bien. Pour commencer à faire les bundis, on va prendre un ustensile avec des petits trous pour préparer le bundi. On va verser de la pâte au-dessus et on fait frire ça. Voilà, on fait bien frire. On n'a pas besoin de frire trop longtemps. C'est bien prêt, maintenant on met ça dans une assiette. On fait assez de suite pour toute la pâte qui nous reste. Maintenant, on va rajouter du poudre de cardamome dans le sirop qu'on prépare. Et on mélange bien. Voilà, le sirop est bien prêt, vous pouvez voir. Maintenant, on va rajouter du jus de citron. On mélange bien. On va prendre une partie du bundi pour le mixer. Voilà, on a bien mixé. Maintenant, on va rajouter les bundis qu'on avait frits dans le sirop de sucre. Puis, on va rajouter le bundi qu'on a mixé. Maintenant, on mélange bien. Puis on va rajouter du beurre. Et on va faire frire les noix de cajou. On les fait bien frire. Voilà, on les a bien frits. Maintenant, on les rajoute dans la préparation. Puis, on y rajoute le sucre cristal. Et on mélange bien.
Voilà, la préparation de la dée est bien prête. Maintenant, on va les préparer en faisant des boules. On fait ainsi de suite pour toute la préparation qu'on a. On fait des boules comme ceci. Voilà, les ladders sont bien prêtes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne.